Ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est uniquement mon avis. Mais sincèrement, pour moi, on est dans un monde où le danger est fréquent. Il y a des violeurs, il y a des pédophiles, il y a des kidnappeurs, il y a des malades mentales. Que le prétexte soit Halloween, ou peu importe, laisser ses enfants ou des enfants dehors la nuit sans être accompagné. Et quand je dis accompagné, je parle pas d'être accompagné par des copains, je parle d'un accompagnement adulte. Les laisser dehors comme ça, là, c'est irresponsable. C'est pas un jugement que je fais envers les gens en disant vous êtes mauvais et tout ça, non. C'est pour moi de l'irresponsabilité. Avec tout ce qui se passe dans une soirée où il est connu par les gens normaux, mais aussi par les gens qui ont des mauvaises et de très mauvaises intentions, que des enfants se retrouvent dehors par centaines, par milliers, c'est d'offrir du pain béni aux psychopathes, à celui qui a des mauvaises intentions, à celui qui a envie de faire n'importe quoi à des enfants. Laisser ses enfants tout seuls sortir la nuit, que ce soit pour chercher des bonbons ou autre, sans oublier qu'on ne sait pas ce que vont faire les enfants, parce qu'on ne les suit pas, donc ils peuvent aller chercher des bonbons tout autant qu'ils peuvent aller faire autre chose, on n'en a aucune preuve, c'est totalement dangereux et irresponsable. Alors bien entendu, l'enfant lui-même a peut-être des bonnes intentions, ou pas, l'enfant lui-même n'aura pas envie que ses parents l'empêchent de sortir, et que ça lui ferait énormément plaisir de sortir, sauf que quand il arrive un drame, et qu'il arrive un truc de fou, et qu'on est un petit peu la personne qui a fait sortir l'enfant la nuit, tout seul, sans accompagnement, et que là il s'est passé un truc, tu t'en veux tout le temps, tu t'en veux toute ta vie. Faut essayer de sortir de cette bulle dans laquelle on vit parfois. Hein. Autant faut pas aggraver ce qui peut exister, autant ce genre de choses-là, à mes yeux, c'est totalement irresponsable. Un petit truc en plus de ça, c'est que c'est une soirée pour certains où ils se déguisent, ils ont des masques, c'est-à-dire que celui qui ne veut pas être reconnu et qui a les plus mauvaises intentions peut le faire à ce moment-là. Il y a plein d'enfants et les gens sont déguisés. Quoi de plus dangereux la nuit que de laisser ses enfants ou des enfants partir comme ça? C'est pour moi, je dirais pas que c'est l'envoyer au suicide parce que sur le pourcentage, ce sera très petit ce qu'il va y avoir. Mais le très petit pourcentage, il touchera quelqu'un, il touchera une famille, il touchera un enfant, et peut-être le nôtre. Donc voilà, c'était vraiment pour moi en tout cas de dire de faire vraiment attention. Allez, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.